Je n'accepte pas ma situation. Et c'est normal. Ça serait bizarre, même grave, d'accepter ça. Il y a parfois des choses que l'on ne peut pas expliquer. Aujourd'hui, nouveau doc, dont l'objectif est d'essayer de comprendre comment un joueur aussi talentueux qu'Atem Ben Arfa peut se retrouver sans club à 34 ans, sans jamais avoir atteint un club de son envergure. J'aime beaucoup Atem personnellement, si je fais cette vidéo aujourd'hui c'est pour lui rendre hommage, pour vous montrer à quel point, et je pense que vous le savez déjà, à quel point il était fort. Quand on le voyait sur un terrain, il était au-dessus des autres, et ce qui est trop frustrant, c'est qu'on en entendait presque plus parler en dehors du terrain que sur le terrain. On le voyait se relancer par-ci, se relancer par-là, sans jamais trouver ses marques et s'imposer dans un grand club, là où il aurait mérité d'être. Son talent était juste une évidence aux yeux de tous, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. On va se replonger en mode doc sur la carrière d'Atem Ben Arfa. Bon visionnage à tous. Atem Ben Arfa, c'est le fils de Kamel Ben Arfa, ancien footballeur international. Né à Clamart, il grandit dans la cité de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry, en région parisienne, avec son frère et ses deux sœurs. Il fait ses premiers pas dans le football à l'âge de 7 ans, au club de Voltaire Châtenay-Malabry. Il intègre plus tard l'INF Clairefontaine en étant surclassé au sein de la promotion 1986, promotion rendue célèbre par le documentaire À la Clairefontaine. Il y passe 3 années, aux côtés d'autres espoirs, comme Abou Diaby, avec qui il y aura d'ailleurs une petite altercation, ou Geoffrey Jourdain. C'est n'importe quoi, je me prends des buts et tout ça, c'est trop nul. Il est rapidement contacté par la SSE et le Stade Rennais. Il rejoint finalement à l'âge de 15 ans le centre de formation de l'Olympique Lyonnais en échange d'une prime à la signature de 150 000 euros. Atem Ben Arfa débute en Ligue 1 le 6 août 2004 contre l'OGC Nice dans une équipe alors dirigée par Paul Le Guen. Il marque son premier but avec Lyon contre Lille en Coupe de la Ligue le 10 novembre 2004. Champion de France 2005, il remporte le trophée des champions contre Auxerre en marquant dès la première minute de jeu. Au total, il dispute 14 bouts de match pour sa première année, pour un but et une passe décisive. Lors de la saison suivante, il est de nouveau champion de France et remporte une nouvelle fois le trophée des champions contre le PSG. Il dispute de nouveau 16 petits bouts de match pour 2 buts marqués. Sa progression sous l'ère Gérard Rouillet est difficile et perturbée par des conflits internes avec son entraîneur et son président Jean-Michel Aulas. En 2007, Lyon est de nouveau champion de France et remporte une troisième fois le trophée des champions contre Sochaux. Cette année-là, il dispute encore 19 bouts de match pour seulement un but sur la saison. Et alors qu'il grandit et qu'il commence à s'affirmer, c'est lors de sa quatrième saison en pro que Ben Arfa va se révéler. Il s'impose progressivement comme attaquant de soutien dans l'équipe entraînée par Alain Perrin, tout en offrant aussi des possibilités comme milieu offensif gauche. Ben Arfa enchaîne les bonnes prestations. Il confirme ensuite son nouveau statut de titulaire en inscrivant ses deux premiers doublés en Ligue 1, fin octobre 2007, puis en Ligue des Champions début novembre, avec ses premiers buts dans la compétition. On a l'impression que la faute est plus importante de la part de... Et dans ce Skilacci. Et dans ce cas-là, le jugement de l'arbitre est justifié. Ouais, ouais, ouais. Oh là là, Ben Arfa. Oh là là, Ben Arfa encore. Ah, irrésistible en ce moment, celui-là. Il est irrésistible, stoppé bien irrégulièrement par Loric Sana. Il va le sanctionner. Dépassé comme tous les Marseillais. Logiquement, Atem intègre l'équipe de France A pour la première fois de sa carrière le 10 octobre 2007, alors qu'il prépare un match contre la Bosnie avec les Espoirs. Raymond Domenech l'appelle pour suppléer Louis Saha, forfait pour les deux rencontres face aux îles Féroé et à la Lituanie dans les éliminatoires de l'Euro 2008. Il fête donc sa première sélection le 13 octobre 2007 contre les îles Féroé en remplaçant Franck Ribéry à l'heure de jeu. Il contribue au large succès de l'équipe en inscrivant son premier but sous le maillot tricolore à quelques secondes du coup de sifflet final. Cette saison, il reçoit le titre de meilleur joueur espoir lors de la remise des trophées UNFP du football après avoir été champion de France pour la 4e année consécutive. Une première saison pleine pour sa carrière, 49 matchs disputés, 9 buts, 7 passes décisives. Le talent Ben Arfa est définitivement lancé. Bon, premier fait extra-sportif de la carrière d'Atem Ben Arfa, qui a quand même plutôt pas mal fait parler du côté de Lyon à l'époque. Petite altercation avec ce qu'il a tiré à l'entraînement, et altercation qui va même plus loin quand les deux rentrent au vestiaire, ils se mettent sur la gueule, clairement. Leurs coéquipiers sont obligés d'intervenir pour les séparer. Régulièrement appelé cette saison,
En équipe de France, sous le statut de remplaçant, il enchaîne les matchs de qualification pour le championnat d'Europe et les matchs amicaux. Il rentre souvent en deuxième mi-temps dans le dernier quart d'heure pour amener du danger. Ben Arfa joue son premier match titulaire contre l'Équateur en match de préparation pour l'Euro 2008 et délivre sa première passe décisive pour Bafétimbi Gomis, qui marquera ce soir-là un doublé, lui aussi pour son premier match en bleu. Ben Arfa fait partie de la liste des 30 joueurs présélectionnés pour le stage de préparation à la phase finale de l'Euro 2008, mais n'est finalement pas retenu par Raymond Domenech pour disputer l'Euro 2008. Une première désillusion dans sa carrière qui ne récompense pas forcément sa bonne saison avec l'Olympique Lyonnais. Le 25 juin 2008, l'Olympique de Marseille annonce qu'un accord aurait été trouvé avec l'Olympique Lyonnais pour le transfert d'Atem Ben Arfa. Et Atem, quand il dit il part de Lyon, il part. Voilà, il fait pas demi-mot. Il est parti tellement vite que visiblement il n'avait pas vraiment vidé son casier, il avait laissé quelques documents papier un peu bidons. Et au milieu de ces documents, un petit chèque de 90 000 euros laissé dans le casier, pas encaissé, que un intendant lyonnais lui a gentiment rendu, hein, il l'a averti. Ce genre d'anecdotes qui font de Atem Ben Arfa un personnage à part, peut-être un petit peu dans la lune et tout. Et ça fait son charme, hein. Éric Guirec, entraîneur de l'OM à l'époque, lui donne un nouveau poste au sein de l'équipe, celui de numéro 10. Milieu offensif axial. Jouant derrière un attaquant de pointe en 4-2-3-1 ou derrière deux attaquants de pointe en 4-3-1-2, il joue alors à son poste de prédilection où il peut montrer ses qualités de pénétration et de passe. Ça n'empêche évidemment pas Guirec de l'utiliser parfois comme ailier. A l'aise au sein de sa nouvelle formation, Ben Arfa marque son premier but dès son premier match à l'OM contre Rennes. Il montre à nouveau son talent quelques jours plus tard contre Brand Bergen pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions 2008-2009. En délivrant une passe décisive pour Benoît Chéroux après des dribbles au sein de la défense norvégienne. Puis il marque deux buts un mois plus tard contre Le Mans, puis contre Caen. Mais voilà, il retombe vite dans des travers de cohabitation complexes avec certains de ses partenaires, et en dépit d'alertes rencontrées en début de saison, altercation avec Djibril Cissé et Modeste Mbami, il refuse de rentrer en jeu lors du match OM-PSG, défaite de l'OM 4-2 ce soir-là, pour protester contre son statut de remplaçant. Une violente discussion a alors lieu dans les vestiaires avec Guirec et l'encadrement. A la suite de cet incident, Ben Arfa enchaîne toutefois de bonnes performances face à l'AS Saint-Etienne, buteur et deux fois passeur décisif, et contre le PSV Eindhoven, de nouveau deux fois passeur décisif. Quand même pour l'Olympique de Marseille, à tort ou à raison, il est frappé par Ben Arfa et le but ! Le but de Benoît Chéroux alors ! Ben Arfa, on sait encore pas mal ce qu'il a réussi. Ben Arfa au milieu de trois Stéphanois. Ben Arfa encore, okay. C'est du haut niveau, c'est du très haut niveau, Koné, pénalty. Banderole, Ben Arfa face à Jeannot. Et le contre-pied, Marseille reprend l'avantage de 2-1. Suite à ce début de saison fort en émotion, Ben Arfa connaît fin novembre une baisse de régime, hors de forme. Il n'entre plus dans les plans de Guirec à la suite de son match contre l'Olympique Lyonnais, 0-0. En février 2009, il se querelle avec Karim Ziani, avec qui il est en concurrence. Les prémices de jour meilleur pour Ben Arfa font leur apparition avec un coup franc contre le FC Twente qui qualifie son club pour les 8e de finale de la Coupe de l'UEFA. Attention le coup franc. Oh, le voilà, le Juninho de l'Olympique de Marseille, c'est cet homme, c'est Atem Ben Arfa, Jean-Luc. Juste avant, je vous en parlais, vous ne m'aviez pas cru et vous aviez tort. C'est pas la même frappe, mais c'est le même résultat. Il finit alors la saison en alternant entre les statuts de remplaçant et de titulaire. Guirec dit de lui qu'il est le meilleur lorsqu'il rentre en cours de match, comme face à Nantes, que lorsqu'il est d'emblée titulaire. Il termine la saison 2008-2009 avec 48 matchs disputés, 8 buts et 3 passes décisives. Une saison à Nancy où il a montré beaucoup de bons et parfois du mauvais, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Et à l'intersaison, c'est Pape Diouf qui quitte le club. Ainsi qu'Éric Guirec, on change de dirigeant, on change d'entraîneur et c'est Didier Deschamps qui arrive à la tête de l'OM. Malgré une pré-saison satisfaisante et son statut de titulaire lors des premiers matchs dirigés par le nouvel entraîneur, ses performances sont décevantes et il laisse progressivement sa place à Bakary Koné ou à Mathieu Valbuena, se contentant d'entrer en fin de partie. Novembre 2009, Ben Arfa à l'entraînement avec Deschamps. Ben Arfa pas très content des remarques de Deschamps sur son positionnement et la tactique. Il le reprend, Ben Arfa lui dit gentiment « Tu me casses les couilles ». Au moins c'est dit, voilà, preuve des relations Ben Arfa-entraîneur qui ne sont pas toujours terribles. Voilà, Atem, contrôle-toi s'il te plaît, contrôle-toi. Lors du mercato d'hiver, l'OM l'autorise à chercher un nouvel employeur. Cependant, les discussions avec les différents clubs européens échouent
et Atem Ben Arfa reste finalement à l'OM. Ses prestations en début d'année 2010 sont plus que convaincantes. Progressivement, il redevient titulaire. En Ligue Europa, il arrache le nul d'un but de la tête, le premier de sa carrière, contre les Portugais du Benfica Lisbonne. Un partout à l'aller. Au match retour, il rentre dans le temps additionnel de la seconde période et se fait exclure au bout de 20 secondes après avoir frappé un adversaire. Par ailleurs, grâce à ses belles performances, il gagne toutefois le titre UNFP du joueur du mois de février. Il remporte la Coupe de la Ligue le 27 mars 2010 avec l'OM, en délivrant une passe décisive en finale contre Bordeaux. Après une indisponibilité d'une semaine, Ben Arfa se voit cantonné à une place de remplaçant pour son retour. Néanmoins, le 5 mai, Didier Deschamps le fait entrer pour la dernière demi-heure contre Rennes. Voilà, enchaîné, allez Atem, Mamadou fait encore l'effort, Atem, oh là là Mamadou, oh, quel dommage, Lucho, pied gauche, et pourquoi pas, tu la passes, mon lapin, mon petit Lucho, le titre de champion de France revient à l'OM, ça fait 5 pour Ben Arfa. Sur la saison, comme lors de sa première saison à l'OM, 41 matchs, 7 buts, 5 passes décisives, du bon, du mauvais. Et pendant cette période à l'OM, d'octobre 2008 à août 2010, il ne joue qu'une seule rencontre sous le maillot bleu en match amical contre la Tunisie au Stade de France, sur une victoire 3 buts à 1. Lors de cette rencontre, il est hué par les supporters à son entrée en jeu pour ne pas avoir choisi l'équipe tunisienne. Le 11 mai 2010, il fait également partie de la liste des 30 joueurs convoqués par Raymond Domenech pour participer à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Cependant, comme en 2008, il ne sera pas conservé dans la liste définitive des 23 joueurs. À l'issue de son stage de préparation pour la nouvelle saison, Didier Deschamps le convoque dans son bureau pour lui signifier qu'il ne souhaite pas le conserver. Le club a mandaté un certain nombre d'agents et lui propose de partir à Newcastle sous la forme d'un prêt. Le joueur considère cette offre comme prioritaire en raison de l'intérêt de l'entraîneur Chris Hughton et sa volonté d'en finir avec son statut de joker. Le joueur fait ses adieux avant son voyage en Norvège avec la nouvelle équipe de France de Laurent Blanc. Pendant ce stage, Didier Deschamps déclare Atem Ben Arfa intransférable à la suite du départ de Mamadou Niang pour Fenerbahçe. A son retour, le 12 août 2010, à la commanderie, il radicalise sa position pour quitter le club. Il sort dans la presse à ce moment-là, il déclare « Je ne suis pas de la merde, je ne suis pas un paquet de lessive ». Puis après, il débarque dans le bureau de Dacier pour lui dire qu'il veut clairement partir et qu'il ne va pas lui laisser de choix. Et le ton monte tellement qu'il en vient à retourner le bureau de Jean-Claude Dacier à l'époque, président de l'OM. Tout ce qu'il y avait dessus, il a tout retourné, il a pété un câble. Bref, ils l'ont laissé partir, je ne sais pas comment a terminé cette histoire, visiblement, c'est lui qui a eu le dernier mot. Le joueur quitte ensuite Marseille pour s'entraîner seul en région parisienne, dans l'attente d'un transfert. Pendant ce temps, il fait partie de la liste des 22 joueurs appelés par le nouveau sélectionneur Laurent Blanc pour disputer un match amical contre la Norvège lors de l'été 2010. Il marque à cette occasion son second but avec l'équipe de France. Le 28 août 2010, le club anglais de Newcastle annonce sur son site le recrutement d'Atem Ben Arfa. Le joueur français est prêté pour un an avec option d'achat située entre 5 et 6 millions d'euros que le club anglais doit lever si Ben Arfa dispute au moins 25 matchs durant la saison. Titulaire d'entrée, il marque son premier but avec Newcastle durant sa première, mais deux semaines plus tard, il sort sur civière en tout début de rencontre lors du match contre Manchester City à la suite d'un tac de Nigel De Jong. Étonnant. Souffrant d'une double fracture tibia-péronée de la jambe gauche, sa période d'indisponibilité est estimée à 6 mois mais pourrait être plus longue. Pendant cette longue période sans terrain, le club anglais décide d'officialiser le transfert de Ben Arfa en levant l'option d'achat de 6 millions d'euros malgré les 4 rencontres disputées par le joueur. Le 1er mars 2011, l'entraîneur de Newcastle, Alan Pardew, annonce que la saison de Ben Arfa pourrait bel et bien être terminée à cause de sa blessure. Le 5 avril suivant, Ben Arfa reprend l'entraînement avec les Magpies après 6 mois d'indisponibilité. Mais voilà, une rechute au début du mois de mai lui fait cependant perdre tout espoir de rejouer lors de la saison 2010-2011. Il décide de revenir plus fort pour la saison suivante, commence sa préparation avec Newcastle, mais le 21 juillet 2011, il se blesse à la cheville à la demi-heure de jeu dans un match amical face à Kansas City. Mais il retrouve quand même les terrains 2 mois plus tard, le 20 septembre 2011, à l'occasion du match de League Cup contre Nottingham Forest. Le 7 janvier 2012, il se distingue en marquant un but après avoir éliminé plusieurs joueurs lors du match de Coupe d'Angleterre face aux Blackburn Rovers.
Le 9 avril suivant, Ben Arfa récupère le ballon dans sa propre moitié de terrain, transperce la défense adverse et ouvre le score après une course de plus de 70 mètres en première ligue contre Bolton. Ses performances lui valent les éloges de son entraîneur. Sur sa saison avec Newcastle, c'est 30 matchs, 6 buts, 6 passes décisives. Honnêtement, il y avait du bon. Faut peut-être qu'il lâche un petit peu plus sa balle parce que vraiment, sur les clips de Newcastle, c'est vraiment choquant. Il fait pas la passe quand il faut. Mais voilà, je pense qu'il voulait beaucoup montrer, mais il était très très chaud cette année-là. Du coup, en équipe de France, il a été gravement blessé pendant un moment. Il n'est plus du tout convoqué en bleu à partir d'août 2010. Mais à la surprise générale, il fait toutefois partie des joueurs sélectionnés par Laurent Blanc pour disputer l'Euro 2012. Ça vient sûrement récompenser sa bonne saison avec Newcastle. Il participe pendant la compétition à deux rencontres de la phase finale. Il entre pour quelques minutes à la fin du match France-Angleterre, puis débute la rencontre face à la Suède en tant que titulaire avant d'être remplacé un peu avant l'heure de jeu. Après cette rencontre, la presse évoque une altercation qui aurait opposé Atem Ben Arfa et Laurent Blanc dans les vestiaires, le joueur étant mécontent d'avoir été remplacé par le sélectionneur. L'altercation en elle-même, ça s'est passé comment? C'est très simple. Le match se termine, Laurent Blanc et les joueurs retournent au vestiaire. Laurent Blanc débrief un petit peu le match. Ben Arfa, mécontent d'avoir été remplacé par Laurent Blanc, l'ignore un petit peu. Et pendant que Laurent Blanc s'exprime devant tous les joueurs, Ben Arfa décroche le téléphone et passe un appel téléphonique. Chose que le coach des Bleus ne prend pas très très bien. Le ton commence à monter et Ben Arfa lui explique juste, simplement, que ce soir-là, il y avait plus nul que lui, qui comprend pas qu'il a été remplacé, donc là, il téléphone, donc voilà, il laisse faire sa vie tranquille. À la suite de cet incident, il est convoqué par la commission de discipline de la Fédération Française de Football, avec d'autres joueurs de la sélection, à qui sont reprochés des problèmes de comportement pendant le championnat d'Europe. Mais Ben Arfa, Mvila, Nasri et Menez seront convoqués devant notre conseil de discipline. La commission lui adresse finalement un simple rappel à l'ordre. L'équipe de France s'arrête en quart de finale contre l'Espagne, futur champion d'Europe en 2012, sur une défaite 2-0. Puis voilà, Ben Arfa continue son petit bout de chemin en Angleterre, à Newcastle. Des saisons à Dancy où il ne confirme malheureusement pas sa bonne saison 2011-2012. Il ne joue pas tous les matchs et est parfois décisif. Le 14 novembre 2012, le but que Ben Arfa avait marqué 11 mois auparavant contre les Blackburn Rovers fait partie des 10 buts nommés pour le prix Puskás de la FIFA. Une saison 2012-2013 où il dispute seulement 22 matchs pour 4 buts, 3 passes décisives. Une saison 2013-2014, 30 matchs, 3 buts, 3 passes décisives. On en attend plus de Ben Arfa et on se commence à se poser des questions sur s'il arrivera un jour à montrer vraiment son talent et est-ce que c'est à Newcastle qu'il peut le montrer ce talent. Et contre toute attente, dans les dernières minutes du mercato, le 1er septembre 2014, il quitte les Magpies et rejoint Hull City sous la forme d'un prêt. Cependant, cette expérience tourne au vinaigre. En effet, en décembre 2014, en désaccord avec son entraîneur Steve Bruce, il quitte le club après seulement 9 matchs, où il n'aura jamais marqué, il aura seulement fait une petite passe décisive. Son entraîneur déclarera même qu'il n'était pas digne de l'équipe. Son prêt est résilié en décembre 2014 et il est annoncé qu'il ne reviendra plus à Newcastle non plus, qui le libère en résiliant son contrat. Il est donc libre et a déjà plusieurs touches en championnat de France, notamment avec Claude Puel, à qui il donne rapidement son accord verbal. Ils n'ont jamais travaillé ensemble puisque l'entraîneur de l'OGC Nice était arrivé à l'Olympique Lyonnais lorsque Ben Arfa en était parti. Le 3 janvier 2015, il rejoint l'OGC Nice. Il retrouve donc la Ligue 1 4 ans et demi après l'avoir quitté. Cependant, et c'est toujours compliqué avec Ben Arfa, la Fédération Française de Foot n'homologue pas le contrat de Ben Arfa car ce dernier est suspecté d'avoir déjà joué des matchs officiels avec deux clubs lors de la saison 2014-2015, donc Newcastle et Hull City. Or, le règlement de la FIFA interdit de jouer pour trois clubs différents lors d'une saison. Le 14 janvier 2015, la FIFA rend donc un avis négatif à titre consultatif concernant le transfert de Ben Arfa à l'OGC Nice. Cette décision est décriée car s'il ne fait aucun doute que les matchs avec le club emprunteur, donc avec Hull City, étaient officiels, le match avec Newcastle avait lieu dans un tournoi amical d'été, a été considéré comme officiel. Un gros bazar qui termine par un contrat de Ben Arfa résilié. Énorme désillusion. Ben Arfa qui du coup se retrouve avec une saison où il a fait 6 mois dans un club où il a passé son temps à se disputer avec son entraîneur. Et 6 mois où du coup il ne jouera plus au foot. Son avocat déclarera même qu'il envisage de mettre un terme à sa carrière de footballeur.
6 mois après son transfert à Vortel au GC Nice, le président niçois Jean-Pierre Rivère annonce que Ben Arfa sera bel et bien niçois pour la saison 2015-2016. Le 15 août 2015, il retrouve le chemin des filets français en transformant un pénalty face à 3. Il inscrit son premier but en Ligue 1 depuis le 15 mai 2010. Il récidive une semaine après et inscrit le premier but de la victoire niçoise contre Caen, d'une lourde frappe après avoir dribblé plusieurs joueurs adverses. Il semblerait que le grand Ben Arfa soit de retour. À la suite d'un bon début de saison avec son club et l'absence de certains joueurs, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps fait appel à lui le 5 novembre 2015 pour participer à deux matchs amicaux contre l'Allemagne et l'Angleterre. Je pense que c'est bien de le faire revenir dans le groupe France par rapport à ce qu'il est capable de faire. Ça fait un long moment qu'il n'est plus venu, je le connais bien, ça me donnera l'opportunité aussi bien évidemment de discuter avec lui. Et voilà, il a cette qualité, cette faculté sur une action de pouvoir faire des différences. Il en a fait, il a marqué de très très beaux buts. Il réussit ensuite à véritablement élever son niveau de jeu. Il marque un doublé contre les Girondins et participe à la victoire contre Saint-Etienne en marquant un nouveau doublé dans le deuxième but en éliminant 5 adversaires. Attention, mouillez-vous la nuque, ça peut choquer. Il inscrit le premier triplé de sa carrière face au Stade Rennais lors d'une victoire 3 buts à 0. Il ne fait aucun doute qu'on n'a jamais vu un Ben Arfa avec un tel niveau. Et il termine la saison avec 37 matchs pour 18 buts et 7 passes décisives. Sa meilleure saison en professionnel. Et quelle saison! Il aura ébloui tout le championnat de France. Et on se demande bien ce qui va se passer à la fin de la saison. Avec l'OGC Nice, son contrat se termine le 30 juin. Et Ben Arfa décide de ne pas le renouveler. Il est donc de nouveau libre. Avec l'équipe de France, il n'est pas retenu parmi les 23 joueurs français sélectionnés pour l'Euro 2016. Mais il fait une nouvelle fois partie d'un groupe de 8 réservistes présents lors de la préparation de l'équipe de France et susceptible de remplacer un joueur sélectionné qui serait blessé. Nouvelle désillusion. Alors quel avenir pour Ben Arfa qui sort d'une saison éblouissante ? Libre de tout contrat, il s'engage le 1er juillet 2016 avec le PSG pour une durée de 2 ans et choisit de porter le numéro 21, prétextant à apprécier l'équipe 21. Ben Arfa et ses numéros de maillot, on y reviendra à la fin parce que c'était quelque chose, c'est incompréhensible. Il joue son premier match officiel avec le PSG lors du Trophée des Champions contre son club formateur, l'Olympique Lyonnais, et marque son premier but avec son nouveau club d'une demi-volée avant de remporter le match 4 buts à 1 et de soulever son premier titre avec le club de la capitale. Présenté comme l'une des recrues phares du PSG lors du mercato estival, il est finalement peu utilisé lors du début de saison. Unai Emery, le nouvel entraîneur parisien, a peut-être des raisons de ne pas être séduit. Alors, la première raison pour laquelle Unai Emery ne sélectionne pas Ben Arfa, c'est un problème de poids. Parce qu'il a eu la surprise de le voir débarquer lors de la préparation, il vient d'être recruté lors de la préparation avec quelques petits kilos en trop. Je vous mets la photo, libre à vous de vous faire votre propre interprétation, excuse, pas excuse. Après, le problème a été plus profond que ça, mais au début, visiblement, c'était pour ça. Il décide de ne pas le convoquer pour le premier match de Ligue des Champions contre Arsenal. Puis lors des 3 matchs suivants en championnat, il retrouve peu à peu du temps de jeu en tant que remplaçant et distille une passe décisive à Marco Verratti lors du match contre le Stade Rennais. Il a quand même réussi à faire marquer Marco Verratti. Il est ensuite écarté à partir du 6 avril 2017 et ne joue aucun match lors de la saison 2017-2018 pour le club de la capitale. De nouveau, un an et demi sans jouer, voilà, on suspecte une affaire avec le président qui aurait mal tourné, on n'a pas plus d'infos sur ça. Mais voilà, avec l'entraîneur, avec le président, ça ne passe pas du tout. Il reste quand même au club pour toucher son salaire, mais ne joue pas pendant un an et demi. Je sais pas si on peut dire 2 saisons, mais sur 2 années de contrat, en tout cas, 32 matchs disputés, 4 buts, 5 passes D. Il est donc libre de tout contrat à la fin de la saison 2018. Il s'engage alors avec le Stade Rennais le 2 septembre 2018 pour une durée de 2 ans. Il dispute ses premières minutes sous le maillot breton en rentrant en jeu lors du premier match de Ligue Europa contre le FC Jablonec et donne la victoire à son équipe en transformant un penalty dans le temps additionnel. Après plusieurs mois sans beaucoup jouer sous la mouchie, Julien Stéphan est nommé entraîneur intérimaire et redonne de la confiance et du temps de jeu à Ben Arfa. L'ancien joueur du PSG
joue un rôle très important dans la campagne européenne avec la qualification face au Betis Séville grâce à une performance extraordinaire de sa part et la victoire au match aller face à Arsenal 3-1 où il brille malgré l'élimination au match retour 3-0. Le 27 avril 2009, il gagne la Coupe de France face au PSG. Au micro de France 2, il déclare après le match qu'il ne faut jamais sous-estimer son adversaire car un jour, il revient plus fort. Rappelant ainsi les conflits rencontrés au PSG. Bon, et se payer Nasser El Khelaifi dans la presse, c'est quelque chose. Par contre, chose, et on n'a pas l'image parce que ça aurait été une image incroyable, c'est que quand tu passes pour aller chercher ta coupe, d'abord tu récupères ta médaille et tu serres la main au président de la Fédération Française et compagnie. Et il y a les présidents des clubs et Ben Arfa, avec sa médaille, la prend et la montre à Nasser El Khelaifi, l'embrasse devant lui et lui montre, limite, il lui met dans la tête. Il termine la saison avec 41 matchs, 9 buts, 6 passes D. Une saison où on a revu le Ben Arfa de Nice. Mais malheureusement, pas toute la saison. Ils n'ont pas eu l'occasion de travailler beaucoup. Del Castillo Traoré à droite et Niang Zéphane à gauche. On rappelle que c'est Ben Sebaini qui jouait les derniers matchs. Ah, Ben Arfa là, qui s'est amusé avec Giroto, Jean-Luc. Aptem Ben Arfa lancé. Il va être arrêté par Giroto. Non, il a rebondi sur Giroto. Il a déposé Palois. Aptem Ben Arfa qui donne le ballon. Évidemment. Sibatche avec Atem Ben Arfa. L'accélération d'Atem Ben Arfa, rongé qui ne peut pas suivre. Atem Ben Arfa qui se remet sur son pied gauche. Et qui... Donc on a mis un peu mis le feu au match et au public. Donc, Et c'est Ben Arfa qui met le feu. Ouais, et puis en même temps, c'est Coach Vahid, ancien avant-centre, qui gère son problème d'avant-centre. Donc, oui, ça c'est ça. Donc, c'est qu'il doit. C'est une double erreur. Hein. Oui, bien sûr. Ah oui, ça, on a eu une leçon de Tony Chapron là-dessus. Bon, enfin, il y a débat. Oh. Olivier Létang annonce le 3 juin 2019 le départ d'Atem Ben Arfa durant le mercato d'été. Une nouvelle fois, on ne sait pas où il va encore atterrir, on ne sait pas si on reverra Ben Arfa un jour. Et au 1er septembre, il n'a toujours pas retrouvé de club. Et au 1er octobre non plus, au 1er novembre non plus. Et on se dit que Ben Arfa et le foot, c'est peut-être terminé. Lui qui n'a jamais su s'adapter et s'imposer quelque part. Et puis contre toute entente, le 28 janvier 2020, il officialise son arrivée au Real Valladolid, club présidé par Ronaldo, où il signe un contrat jusqu'au 30 juin 2020. Jamais titulaire, il jouera 5 petits bouts de match, sans jamais être décisif. Voilà, ce transfert peut être résumé à juste la photo de présentation qui est juste incroyable. Sinon, pas grand chose. De nouveau libre, le 1er juillet 2020, il ne retrouve pas de club pendant le mercato d'été. Et puis contre toute attente, une nouvelle fois, en octobre, toujours de la même année, il signe en faveur des Girondins de Bordeaux pour une saison plus une en option. Il est de suite installé par Jean-Louis Gasset comme titulaire, débutant sous de nouvelles couleurs le 17 octobre face à l'OM. Il inscrit son premier but le 20 novembre 2020 face au Stade Rennais. En 11 apparitions sur le maillot bordelais, il s'impose comme l'animateur du secteur offensif, auteur de 2 buts et 5 passes D. Blessé à la cuisse, il manque par contre les 3 premières rencontres de 2021. Lorsqu'il est rétabli, il retrouve sa place dans le 11 de départ, mais son influence n'est plus la même. Il enchaîne 6 rencontres titulaires sans se montrer décisif, avant de prendre place sur le banc face à Metz. Une chose dont je vous parlais tout à l'heure, son individualisme qui a dû lui être reproché pas mal de fois lors de sa carrière. Alors, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Visiblement là, à Bordeaux, Koscielny, voilà, il a un petit peu mal pris, il a un petit peu engueulé sur ça, notamment au match face à l'OM. À 11 contre 9 pendant une heure, pas capable de mettre un seul but. Voilà, Ben Arfa ce soir-là, il avait la balle au pied, il voulait faire la différence tout seul. Il manque ensuite 2 nouvelles rencontres, touchées au genou. Petite saison, 2 buts, 5 passes D en 23 matchs. Et logiquement, le 29 mai 2021, les Girondins annoncent son départ. Ben Arfa est de nouveau libre. On reverra peut-être aujourd'hui Ben Arfa jouer sur les terrains de Tunisie, mais sûrement jamais en France, lui qui a déjà fait énormément de clubs. Ben Arfa, c'est un joueur avec un talent incroyable, rarement vu dans le monde du foot. Les mauvais choix de carrière, le comportement ou l'entourage ont sans doute participé à cet échec, alternant le bon et le mauvais, le très bon et le très mauvais. Il aura aussi convaincu les plus grands, et ce n'est pas à moi de vous le dire. Je veux pas peut-être paraître pour un fou, mais je pense qu'un Atem au beau niveau,
ça vaut un Messi. Ah, c'est un jeu, faut en sortir. Je vais dire plus talentueux, allez, Ben Arfa. Ben Arfa, je le trouvais trop fort. En Ligue 1, ouais, Atem Ben Arfa. Honnêtement, c'est après Messi, c'est le joueur qui m'a le plus impressionné sur... Atem Ben Arfa. Ah, mais c'est trop. Lui, je te jure, c'est le niveau de Messi, ce mec. Déjà, ils vont me dire, ouais, t'es un fou. Je suis pas un fou, je sais ce que je dis. Je crois que Neymar l'appelle Phénoméno ou un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. C'est Neymar, quand même. Neymar, techniquement, c'est... Waouh, tu vois ce que je veux dire. Si un mec comme ça appelle Atem Phénoméno, je sais pas comment... C'est quelqu'un, tu vois. Bon, et puis j'ai envie de faire ce doc avec le sourire. Ça finit pas très bien, mais bon, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être bien mieux, je pense, pour Ben Arfa. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche et à liker pour pas rater les prochains épisodes, ça va arriver fort. La vidéo, évidemment, avec les numéros de maillot de Ben Arfa, c'est quand même quelque chose de mythique. Je connais pas de joueurs avec des numéros de maillot et des significations. Aussi loufoque, voilà, c'est le mot loufoque, ça résume bien sa carrière. Je vous la fais en bref, il commence à Lyon avec le numéro 18, il arrive à Marseille, il prend le numéro 20 la première saison, la deuxième saison, le numéro 10 se libère, il prend le numéro 10, il débarque à Newcastle, il prend le numéro 37, j'ai pas la raison. Après, la saison d'après, il prend le numéro 10, qu'il garde pendant 2-3 saisons. Puis à Hull City, il prend le numéro 34. 34, numéro qu'il avait d'ailleurs lors de ses premiers matchs avec Lyon pendant très peu de temps. À Nice, le numéro 9, évidemment, pourquoi s'en priver. À Paris, le numéro 21, dont vous avez la référence, évidemment. À Rennes, le numéro 18, qu'il avait à Lyon. Au Real Valladolid, le numéro 3, parce que c'est très courant pour un milieu offensif d'avoir le numéro 3. Et enfin à Bordeaux, le numéro 20, une nouvelle fois. Alors des changements par-ci, par-là, plus les matchs de coupe et compagnie, où il avait le numéro 7 dans certains clubs, où il avait le numéro 10 à des moments, bref, c'est un micmac complet. Voilà pour la carrière de Ben Arfa, une carrière sûrement gâchée par des raisons multiples. J'attends vos avis en commentaire sur sa carrière, sur la vidéo, sur tout ça. Bonne soirée à tous et à bientôt, ciao.